Bonjour à tous, on se retrouve sur VZ9 pour une petite vidéo. Donc là je vais vous présenter une pelle, donc c'est une pelle à pneus mais qu'on peut mettre à chenille, ou donc c'est une e-drig. Donc là il y a version nacelle, donc on peut vraiment aller très, très haut. Donc là j'ai la version nacelle qui est là. Donc comme vous pouvez voir, on peut aller très haut. On peut aller très haut avec la nacelle, on peut mettre les patins. Après on peut conduire inversé, on peut mettre des attaches rotatives, on peut mettre des godets trapèzes. Là c'est une attache planteuse, abatteuse, pince, l'attache rotative, là le godet, fourche, poids, enfin pour lever des charges. Ça c'est un adaptateur, ça c'est encore un adaptateur, ça c'est une attache, ça c'est pour découper le goudron, un godet sans dents, un godet avec dents, un godet de curage, un godet de tranchée, un godet de curage, il y en a un qui est plus grand que l'autre, je crois que celui-là fait 800 litres et l'autre 1000 litres ou peut-être plus, et il y a une fourche. Donc dans les options, je vais vous faire voir dans les options, donc c'est dans catégorie chargeuse sur pneu. Donc là il y a deux versions, il y a la 1260E câble et la 1260E city. Donc c'est pour la ville et ça c'est pour faire de l'entretien des lignes ou des câbles. Donc on peut choisir câble et donc câble et ça rajoute, et ça c'est pour rouler sur les rails, donc ça rajoute les petites roulettes. Donc on peut choisir un float, mais je sais pas ce que ça change, c'est peut-être dedans, ou peut-être la vitre. Je sais pas ce que ça change. Je sais pas. Là c'est ici on veut de la lumière, donc là ça rajoute des LED. Et là ça met un gyro. Donc il fait 157€, 400 litres de réservoir et 40 km/h et 270 000. Donc là vous voyez il y a deux trucs, il y a câble, rail et rail. Attends c'est quoi ça? Ah il y a aussi Made in May, ça supprime les stabilisateurs et ça met des chenilles. Donc c'est pareil sur l'autre. Donc là c'est pareil, on peut mettre mettre les rails, enfin les trucs pour les rails, et là c'est pareil, donc on peut mettre aussi en chenille, voilà, donc on peut mettre aussi en chenille, et ça c'est des modes qui existent vraiment en vrai, enfin en France il n'y en a pas, mais je crois que dans d'autres pays il y en a des pelles comme ça. Donc là c'est 222 070 €, et il fait bah, pareil que l'autre. Donc en plus il est tout animé, décorant, il y a la porte qui s'ouvre, tout le compteur est animé, toutes les joysticks sont animés. Là quand je joue avec le bras, la charge d'avant ça marche, si je suis à droite ça va à droite. Après je peux tourner le siège en appuyant sur CTRL et B. Donc après je me mets sur la sélection. Donc là aussi ça marche, si je me mets sur la sélection du bras. Ça marche si je le ramène le balancier. Si je ramène vers moi ou si j'écarte, ça marche aussi. Après ça joue aussi sur la fourche parce que j'ai mis la fourche, mais on peut l'étendre ou la rétrécir. Quoi dire de plus? Après on peut mettre la nacelle, on peut dupliquer la nacelle, on peut faire plein de choses. Après la vitesse, bah on va voir, c'est 40-45 quand même. Donc là comme vous pouvez voir tout est animé. Donc là si j'ai mis les warnings, ça met les warnings. Après le gyro, je sais pas si ça marche. Mais en tout cas tout marche, là le compteur qui est là et ça marche. Donc non, il y a tout. C'est un très joli mode. Avec un plutôt ouvrant, bah oui c'est pour voir peut-être la nacelle, je sais pas. Non c'est pas mal, c'est vraiment un beau mode.
Ouais, j'espère que cette petite présentation de cette hydrague vous a plu. Mettez un pouce bleu et partagez la vidéo. Merci.